Oh, me dis pas que tu as déjà tout amélioré, c'est génial, ta tablette Sheikah en poche, avec un talent à l'épée, tu peux venir à bout de n'importe qui. Ganon peut rentrer chez sa mère. Ok. Alors. Ouais, c'est la question de... est-ce que j'ai d'autres trucs à faire dans le coin ou pas? Est-ce qu'il y avait quand même... Alors attendez. Ça commence à en faire hein, quand même, hein, faut se le dire. Tous les monstres de la plage auront été éliminés. On va réchanger les équipements. J'ai rien ici? Ah, des lucioles, ça c'est pratique. Ok, je pense que je referai un tour quand on va économiser un peu les Korogo et je referai un tour quand j'en aurai déjà un peu pas mal. C'est vrai qu'il y a le... On était en train de se partager une réflexion avec Maggie sur... les mangas animés ou autres qui nous marquent. Et c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a un peu ce truc où... c'est dur d'être marqué par des œuvres longues et qui sont... En fait, je pense que One Piece, quand ça va se terminer, très clairement, comme beaucoup, hein, on va être beaucoup à se dire « Waouh, c'est fini, tu vois ». Parce qu'être dans un déni de se dire putain c'est fini, de presque pas y croire quoi, parce que c'est, bah, tu vois, de se dire putain c'est pas possible, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est vrai que c'est un truc dont je me posais la question, de me dire ouais c'est vrai que en vrai ouais One Piece c'est fini hein, mais
va les faire fur et à mesure. Ça. On va manger ça. Ah mais what the fuck? Il va falloir que je me refasse à manger. Putain! La caméra de Myrte! Putain mais arrête de le zoomer sur lui! J'ai arrêté de loquer! Ça me casse les couilles la caméra... Putain mon perso s'est accroché à 100% quand j'ai voulu sauter sur le côté. Ah, c'est trop dur de se concentrer et de pas faire de la merde et en même temps d'avoir le jeu qui fait des dingueries comme ça, ça me casse les couilles. Ok. J'essaie de réfléchir à quelle est la lame la plus optique à utiliser contre eux, sans faire trop de bruit. En fait, ce qu'il m'aurait fallu, c'est
pouvoir one-shot 2-3 mobs dès le début en fait. Arrête! Gros! Non mais gros! C'est une dinguerie! Et toi je vais t'enculer toi avec ton arc de merde. Allez ta gueule. Ah mais ils me poursuivent comme ça! Ok attends. Il a eu le temps de me toucher. Ah le bâtard. J'ai pas prévu qu'il puisse me toucher. Ok. Aïe aïe aïe. Ok. Je vais tout looter tranquillement. Attendez, la quête s'est mise à jour, c'est quoi que... Je vais prendre ça. Je vois que je suis un peu en PLS. Vous avez éliminé tous les monstres de la page des mythes. Les moutons et Mylis ne devraient pas être inquiétés désormais. Retournez au village des Mylis pour annoncer la bonne nouvelle à Naïe. Finalement, j'ai voulu y aller en silencieux, je me suis fait spot. M'énerve! Ok, un rubis. En fait, c'est trop chiant qu'on ait pas de preset de stuff. D'ailleurs, je voulais essayer un truc. Ah non, je peux pas virer les items par là. Ah non plus. Ah donc c'est une option de Breath of the Wild alors. What? Attends, ça allait où?
Mais grimpe, enculé! Dinguerie, wesh. D'une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure. Alors. Pas mon but. On marque là. Oh non, je le savais. De temps en temps, Link, il fait ça. C'est bugué. De temps en temps, tu traverses le bloc et tu passes par en dessous. Je sais pas pourquoi ça fait ça. En tout cas, oui, comme je le disais, c'est vrai que c'est dur d'avoir des œuvres... en fait, qui nous plaisent, parce que t'as beaucoup d'œuvres finalement qu'on se retrouve à se dire bah elles sont bien, mais on aurait. Bâtard, il m'a snipé de loin ce bâtard. Et voilà. Là, faut que je prie. Je suis au milieu de l'eau. On va éviter de mourir. Connard de saut de merde. Même en agence dessus, il va pas en dessous. Pourquoi des fois? Mais je me fais troller par mon jeu. Hein. En tout cas, ouais. Les œuvres qui se terminent là, comme je disais ça tout à l'heure, c'est vrai que on se dit souvent, bon bah ça fait toujours un petit point dans le cœur qui fait mal. J'avoue que. J'ai envie de pleurer. Alors. En fait, je me dis, il y a encore toute l'île en face là. Peut-être à y aller. Je pense que je vais y aller. On va faire ce petit sanctuaire.
Oh shit. Shit, 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 shit. Ah shit. Ah ouais, je pense que ça va être très chaud parce que là je vois que je fais pas du tout de dégâts. Hein. Il est mid-life, il est mid-life, en vrai c'est vraiment faisable. C'est cool quand tu tires dessus comme ça, enculé. Ok. Ce serait quoi le plus opti de la frapper avec quoi? En vrai, je pourrais continuer de la frapper avec ça. Hein. Oh la vache! Il m'a mis une bastos! Oh ouais, en fait, dans tous les cas, je pense que je vais. En vrai, il est faisable. Hein. Ça va me prendre du temps, mais il est faisable. Il m'a mis une claque! J'ai joué l'optimisation comme ça, on va voir.
quand même 100 HP hein. Ok, je vais retirer pratiquement 1000 HP. C'est une bonne jauge de me dire à peu près combien je vais retirer et à peu près combien je dois esquiver de coups. ...1600... On a fait un bon taf. Alors... Comment ça se fait que... Ah vas-y, ça m'énerve. En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai arrêté d'appuyer sur le joystick, mon perso continue de loquer, donc ça c'est déjà un truc qui me casse littéralement les couilles. Et ensuite, pourquoi je peux pas bouger comme je veux en fait? Pourquoi mon perso il veut pas courir? Pourquoi? Il y a trop de trucs qui vont pas, frère, c'est une dinguerie. En fait, ce qui est trop chiant, c'est surtaper toute la cinématique alors qu'on l'avait baissé à un... En fait, c'est con, mais encore une fois, il prend pas les dégâts du mur alors que tout à l'heure, il a fait la même et il a pris les dégâts du mur. Pourquoi il les prend pas? Je ne sais pas. Ok. Ok. Alors attendez. Je
Ok, 132. Ok, on en est venu à bout. En fait, il aurait fallu pas que je la prenne. Ah, c'est ça que je voulais la dernière fois là, qui m'avait. Ouah, 62 dégâts. Ouah. Ah oui, il me met très très bien ce gardien. Il me met très très humble. J'ai rien d'autre. Hein. Bon bah c'est cool, on l'a passé. Je me disais en vrai je pouvais le passer parce que j'ai quand même des bonnes armes, mais que dans tous les cas j'allais en sacrifier deux quoi. Par contre la lance de glace c'est broken les armes de glace. Hein. Oh nice. Ma full tenue escaladeur. Ah c'est stylé ça. Je suis content parce qu'en vrai, c'est pas facile du tout de jouer sans se faire dégommer nos mères, quoi. Hop là. Un de plus. Je suis vraiment content en vrai de l'avoir passé. Il était pas facile hein, franchement. Putain. C'était quelque chose. Quelle saloperie quand même. Oh, c'est vraiment trop bien de pouvoir faire ça. C'est con mais on compare souvent les jeux d'ailleurs j'ai vu c'est un truc ça c'est vrai que t'as souvent une comparaison avec les Genshin like entre guillemets. Pour moi c'est pas des Zelda like hein, c'est des Genshin like pour le coup. Et en fait quand tu vois que effectivement bah, l'interaction elle vient du fait que bah t'as les armes de glace ça te permet de marcher sur l'eau. Comme là j'utilise en fait t'as que ça quoi en termes d'interaction avec le décor t'as que la glace et l'eau. Le feu, ça fait pas vraiment brûler les trucs. J'ai l'impression qu'il chope ma trajectoire, ce petit bâtard, hein, quand même. Hein.
Ah, je suis encore loin, je suis encore loin. Casse-toi. J'ai l'impression qu'il peut s'abîmer le truc. T'as vu comment il chope ma trajectoire, ce petit bâtard? J'ai pas envie de dépenser des flèches pour ces merdes. Par contre, la vache, le nombre de mobs qu'il y a sur l'eau. Bon, je vais voir que ça servit à rien d'aller là. Je vais pleurer. Pas vraiment prévu, mais vas-y, on va sauter, on va nager. Toi qui fous le sauce subtil, je vais te mettre à l'épreuve. Repose sur 1000 outils lorsque tu as confronté au danger, tu es venu à les confondre avec ta propre force. Abandonne armes et protection et soumets-toi à cette épreuve comme si elle était la première. Place un orbe sur chacun des 3 hôtels qui se trouvent sur cette île. Ainsi tu auras triomphé de l'épreuve et tes outils te seront rendus. D'accord. Alors ce qui me casse les couilles, c'est qu'il se remet à pleuvoir. Et pendant longtemps cette fois. Lise. J'ai même pas vu que c'était un piège ou un coffre parce que le truc... Oh putain, mais... Vraiment, genre, j'ai tellement pas de chance, j'ai même pas vu qu'il y avait un coffre, frère. Il pleut tellement, tellement c'est la merde à cause de la pluie, de ces morts. Oh, vas-y, ça dégoûte, hein, vraiment. C'est injouable.
Ça veut dire que je peux pas sauvegarder? Ça veut dire qu'en gros si je meurs... Oh vas-y, ça casse les couilles. Hein. Ah mais j'ai même plus ma bouffe! Oh là là... Putain, il était là ce bâtard. J'ai même pas vu. Ah mais je peux pas Ah ou sinon je leur donne la hache. Non, 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 comment il... Ah, tout était prêt, tout était incroyablement bien rodé. Et je peux jamais l'affronter sans mes armes. Comment qu'on fait? Il m'a vraiment lancé un rocher, là?
Ah, je t'ai niqué. Ok, ok. Il m'a vraiment montré du doigt en mode « Eh non, le voleur !» Vas-y, nique ta mère. J'ai pas d'autres mots, frère. J'ai pas d'autres mots. Juste nique ta mère. Et je vais devoir tout recommencer depuis le début parce que le jeu, c'est de la merde. La merde. Putain. Ah, et je peux même pas sauvegarder. Ouais, ça fait 49 minutes, hein. Tenter un truc. J'ai pas prévu que tu sois encore vivant. Ah mais je les one shot maintenant avec mes bombes. Ah c'est devenu tranquille en fait. Toi, je t'ai pas voulu, toi. Ah.
Oh là là, quand je l'ai vu sauter ce Link de ses morts. Arrête! Arrête de sauter comme ça, genre, mec! Mais pour... Mec, j'ai encore traversé la structure. Ah, c'est bien, hein, je bouge toutes mes vies. Hein. Ah, mais il pleut. C'est pour ça que mon perso il glisse. Mais tout à l'heure j'ai réussi, pourquoi là je peux pas? S'il te plaît, le jeu, arrête de me troller. J'en peux plus. C'est vraiment une dinguerie! Pourquoi il saute deux fois? Mais attends, mais j'ai un problème avec ma manette en fait, c'est pas possible! Pourquoi mon perso fait ça? J'appuie sur une fois le saut, il grimpe et il jump out! Ah, et quand je veux sauter, il fait des dingueries! Putain, ça casse les couilles! Que je prenne des bananes parce que c'est la merde. Oh, s'il vous plaît. Plus. Et ta mère. Je savais que t'avais un truc de mort là. A tué ce bâtard. C'est con, j'aurais dû le prendre en photo. C'est la deuxième fois que je me dis ça. Ok. Ça on l'ajoute. Oh. Je vais t'enculer, frère. Ok, putain, il a foutu le feu partout, le con. Ok, et là je loot au fur et à mesure des meilleurs trucs. Par contre, l'inox bleu, mais comment je le fais?
essayer de mettre cette boule en haut. En fait, il y a une chance sur deux que je ruine, parce que pour moi ça flotte, mais peut-être que ça flottera pas. One beach, one. Je veux soulever la boule, pas me retrouver dans le... Putain! Ok. Bon, ce qui est cool, c'est que là, en vrai, j'ai beaucoup de bananes. On va prendre ça. Hein. Ah, faut que je m'arrête là. Hein. On va s'arrêter là et on continuera l'île. Parce que là, ça fait encore un épisode d'une heure, donc faut que je m'arrête là à tout prix. Je vous fais des gros bisous. Je vois que je peux pas sauvegarder, donc ça me casse un peu les couilles parce que ça m'oblige à rester sur le jeu et à refaire une session obligatoirement. Donc je vais m'arrêter là. Je vais laisser le jeu en pause et je reprendrai plus tard. Donc des bisous à tous et au prochain épisode. J'espère que ça vous plaira, cette suite d'aventures sur cette île de merde. Allez, des bisous.